Bonjour à tous les amis, c'est Maverick, bienvenue sur la chaîne Mav Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Banished. Alors, il y a un petit moment que j'avais pas tourné d'épisode sur Banished, je sais plus trop où on en était. On va faire un petit point ensemble. Donc ici on avait une série pour le bois, ici une deuxième série pour du nouveau bois. On avait le bois dur toujours ici, ok. Il me semble que j'avais fait un troisième spot quelque part. Non, ici un marché urbain. J'avais fait les ruches, exact. Ah oui, il est là le troisième spot. Il me restait quoi? L'abri de cueilleur. L'abri de cueilleur, mais on est un peu en manque de personnel. On a dit qu'on ferait ça plus tard. Ok. Allez, on relance tout de suite. On avait 121 adultes, 23 étudiants, 27 enfants. C'est pas mal. On va aller faire un point tout de suite, par contre, à la mairie. Production, déjà on en était où? Production, on produisait plus que ce qu'on consomme, c'est impeccable. Et ici, on était à 59 maisons pour 65 familles, c'est pas trop mal. On va peut-être construire une maison de plus, tiens, hop. Maison en pierre. Alors, ici, comment ça se passait? On avait tiré un chemin ici, je crois. Alors, hop. Jusqu'au marché de toute façon. On va peut-être même déblayer un peu cette zone qu'on y voit un peu clair. Jusqu'où il va lui? Lui il va vraiment, ouais, jusqu'à ras du chemin, ok. Donc on va déblayer un petit peu cette zone. Ça va être un peu long parce qu'on a que 3 travailleurs du coup. En pierre on commence à en avoir pas mal, on va peut-être commencer à faire nos chemins en pavé plutôt. Ah, on va vite en bouffer par contre. Ouais. On risque de vite bouffer notre pierre, mais bon. On a une bonne réserve. Je crois qu'en mineur, on était à 15 sur 15. Tailleur de pierre, 15 sur 15. Allez, qu'est-ce qu'il nous amène, lui? Du charbon, des solives, du bois, du cataplasme. Ouais. Pour l'instant, hop, on va le laisser partir. Il n'y a rien qui nous intéresse. Il y a un deuxième bateau qui arrive. Oh là 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 là, c'est quoi ça? J'ai des morts de partout là. Et pourquoi j'ai plus la petite sonnerie là, des morts? Début de l'été, chasseur, chasseur. Là, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever? Magasinier. Peut-être enlever 2 magasiniers. On va laisser un travailleur pour l'instant. Ok. Qu'est-ce qui nous amène? Ah, des graines. Alors. Graines de cotonnier. 4000. Wow. Graines de pommier, 4000. On avait quoi ici? Des fraises, des choux, des tomates. On va récupérer cette graine. Si on a assez. Si on arrive à avoir assez. On a des meubles. À 30 le meuble. 10, 300. Si on en met 25 déjà, c'est pas mal. Des briques, on va en garder un peu. Ici, du verre. Si on en met 100. Voilà. Des herbes médicinales. 100. Des plumes, on va en mettre 400. On est à 2100, ok. Poudre d'os, on va mettre les 40. Allez, on monte. Les manteaux, on est comment? On est pas mal. Peut-être mettre 10 manteaux. On va mettre 300 boîtes de chauffage. Les outils, on est pas mal. On va en mettre 50. Et on est à 4020. 4020. On va enlever un manteau. 299. Ici.
Non, tu veux pas l'écrire. Voilà, merci. Échanger, laisser partir. Allez, pour l'instant, bon bah on attend, on va attendre. Oh là là, j'ai encore des morts. Hein. Ah, la vieillesse, ok. C'est comme ça, hein. Falloir qu'on ait des étudiants là rapidement. Notre église, elle est presque pleine. Ici, c'était la pension de famille. Ok. La grande école, 25 étudiants. 27. Ce serait bien qu'on ait des étudiants qui passent adultes là parce que. Ici, herbe médicinale, d'accord. Ça va être un peu l'épisode où on va attendre de faire le plein de tout, de gens, le plein de. Ouais, surtout plein de gens, on a encore des morts là, c'est. Là c'est abusé. Alors, on va enlever un mineur, un tailleur de pierre. Toujours qu'on ait une réserve ici. Hein. C'est un peu chaud quand même là. On a des naissances. Ok. Allez, des étudiants là, ce serait bien qu'on en ait. Des étudiants qui passent adultes, ce serait vraiment bien. Alors, on a pas mal de naissances là. Bon, toujours à 3. Il y a déjà moins de morts. Le cimetière, il est comment? 20 tombes sur 90. Et celui-là. 26 sur 40. On a de la marge. Allez, là-haut ça défriche. Allez, encore un mort. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, ça récolte. Niveau bouffe, on devrait être pas mal, non? A produit 16 000 pour en consommer 11 000. Bon, on est bien, on est bien. Ici, ça fait le ménage. Hop. On va construire deux maisons. Ah, il a commencé à nous faire le chemin en pierre. Donc les gens vont aller un peu plus vite sur cette partie-là. Ok, un travailleur de plus. On va quand même leur mettre la priorité là-dessus. Allez, toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Voiture, argile, blabla, des bougies. Potion de vitalité. Je sais pas ce que c'est pour l'instant. Hop. On en a pas besoin. Donc, cool. Ici c'était quoi? Le pâturage avec des poules. Ok. Du vin, de la bière, tabac, pipe. Non, ça ne nous intéresse pas. Là, c'est des catons encore ou pas? Non, ça va. Là, des travailleurs qui arrivent. Qui grandissent, c'est très bien. Ici, on était comment au niveau? C'était quoi ça? Des serres, ouais, exact. On est à 8 serres, c'est pas mal. Ça se développe. Ici, le marché, 44% plein, c'est très bien. Ouais, ça va être l'épisode un peu calme, hein, où c'est que on va stabiliser un peu tout ça. Encore pas mal de morts, hein, des morts de vieillesse. Hein. Voilà, plus qu'un, c'est ouf. Allez, ici, ça va être bientôt fini. Clac. Ok. Un couple vient de se former. Oh là là.
L'hécatombe, l'hécatombe. Allez, on va reprendre les gens ici. Hein. Ah, ils meurent tous de vieillesse là. Allez, eux, faut qu'ils fassent un bébé. Voilà, ils ont fait le plein de leur maison. Ok. Il reste cette maison à finir. Pardon. Bien qu'on ait des nomades qui arrivent là. On va 500 cookies, 500 pains aux noix, et on va donner 1000 sorgho, échanger. Cette maison se finit toujours pas. Encore un mort, oh là là. On va commencer avec 121 adultes, on est déjà à 113. Quoi. On n'est plus qu'à 113. Literie, ouais. Cocon de soie, non, depuis. Pas grand chose pour l'instant qui nous intéresse. Les œufs en verre de soie, ouais, mais pas pour l'instant. J'ai pas prévu de faire de la soie pour l'instant. Un énorme bloc de roche. Aïe aïe aïe. Là, ça va devenir un petit peu compliqué quand même. Oh là là, mais. Ce rythme-là, ça se remplit. Atelier de cire, qu'est-ce qu'il y a lui ? Attends, ça. Pas disponible. Voilà. Faut attendre un peu. Je voulais voir comment ici 46%, 57%. Ok. On a plus personne là encore. Oh là là, mais c'est la catastrophe. La catastrophe. Tous ces morts là, c'est incroyable. On a plus qu'à 110 adultes, hein. On a perdu 11 personnes là. On a perdu beaucoup d'adultes là d'un coup. C'est. L'hécatombe. Ah, ici cette maison elle a fini, ouais. Ok. Une maisons pour 62 familles. Bon, on va arrêter là pour l'instant les maisons. Ici, ça se remplit un peu. Bon, avec la solution assez. On va peut-être remettre. On va peut-être remettre un mec de chaque. Là. Ah, des nomades sont arrivés, bah, vous voyez, on en parlait. 24 nomades, ça va être chaud, mais on accepte direct, on refoue du monde ici, on va tout remplir de toute façon, 9 2 sur 2, 8 sur 8, les enseignants, on va en mettre un autre au cas où, et ici, on remplit. Vous voyez, on manquait vraiment de monde. Sans compter les magasiniers. Ça, après les magasiniers, bon.
Bon, on est pas mal. Il va falloir construire par contre rapidement quelques maisons supplémentaires. Une, deux, trois, quatre. Hop. La pension ici, elle est remplie. Allez, la priorité, ça va être ces maisons-là. Ah, je vous avais dit, une arrivée de nomades, ce serait le bienvenu. Alors par contre, il va falloir faire gaffe à la bouffe, mais bon, ça devrait bien se passer. Un marchand est arrivé. Ah, je croyais que c'était encore des nomades. Du sable, de l'ameublement, non merci, au revoir. Ici, ça se passe bien. Bon, ils en sont loin là des maisons, pourquoi ça construit pas des maisons là? Parce que les matériaux de matière première doivent être beaucoup trop loin pour aller tout chercher. Allez, boum. Allez, il est mort, il y avait longtemps, tiens. Ah, des travailleurs, c'est bon ça. Allez, ici. Allez, on va mettre 8 sur 8, ça va accélérer un petit peu là. Ici, tout le chemin en pierre est fait. Bon, ok, impeccable. Petit peu par petit peu, on va améliorer ça. Hein, afin de faciliter les déplacements. Peut-être même faire un pont ici aussi pour finir là. On va prendre 1000 choux, on va donner 1000 vénaisons. Hop. Allez, deux maisons, c'est bon. Quand même pas mal d'enfants qui sont arrivés. Hop. On a 16 ici. Ici, on va lancer la construction après là du marché urbain ici. Pardon. Allez, les deux maisons qui se finissent. Elle nous a fait du bien cette arrivée de nomade là. Des postes, on a tout renfloué, on est bien. Niveau bouffe, niveau nourriture, on produit 22 000, on bouffe presque 21 000. Pas que 1000 d'avance. Hein. Mais bon, on a quand même des réserves, on est pas mal. Pas non plus s'affoler. Hop, et là-dedans aussi. Ok. Il me reste du monde, c'est pas là. Ah, elle est où là, là. Ouais, il me reste du monde ici, il me reste une famille. Donc il faudrait une maison de plus. On va construire cette fameuse maison de plus. Cuir, jaquette, manteau long.
Voilà. On commande des 25. Ici, on en donne 25. C'est une manière de... Hop, de varier un peu. Faire un champ plus par 11. Et ici un autre champ ici on va planter du coton. Soixante-cinq maisons pour 73 familles. Allez. C'est quoi ce qu'il y a eu boss ici? Je sais pas si. Ah non, on peut pas là. Ah mais t'es obligé de faire tout le tour en fait, c'est la merde. Ça fait gaffe à ça. Pas grave. On va faire quelques maisons aussi ici, je pense. Hop, toi je t'ai vu arriver. Cire d'abeille, on va peut-être en prendre un petit peu pour se relancer nos stocks à nous. Je suis mal calculé. Ouais. Un peu de mal ce matin avec les maths. Non, enfin 110, ça suffit. Voilà. Voilà, ici, hop, on va faire. Je sais pas. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on va faire? Des tomates. Hop, une personne de plus. Une grange ici. Ouais, bah, pas mal. Ici, on va continuer à défricher un peu. Un peu les dépôts. Bon, on n'est pas plein. Dépôt de pierre. Ça commence à avoir un peu de la gueule. Dépôt de pierre, dépôt de fer. Ici. Bon, ici, on a du fer au taquet. Ici, il y a de la pierre au taquet. On est pas mal. Toujours ici full poule aussi, les serres ça pousse gentiment, ça grandit, mais on est pas mal.
va attendre de finir ça. On va finir ça. On va se laisser ici, les amis. On va finir tranquillement cette grange. Petit épisode. Tranquille. Où c'est qu'on a stabilisé un peu notre population. Merci les nomades, surtout. Ah, alors, un peu de bouffe différente. On va prendre 1000 homards. On va redonner 1000 vénaissons. On va prendre 200 de bacon. On va donner 200 de plumes. Et voilà. Voilà, la grange est finie. On a des hommes en plus. On est vraiment bien. Vraiment bien. Ici, les ruches, ça tourne. On fait du miel, de la cire d'abeille. C'est pas mal. Où c'est qu'on avait? Ça, c'était quoi, la menuiserie ici? On continue à fabriquer des meubles, tranquillement, ok. Tout ça, ok. Là, on avait rajouté un bûcheron. Ici, c'était donc une grange. Ah, on avait déjà fait une grange ici. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui remplit? Ah, l'église. Va falloir refaire une deuxième église ou pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Après, on peut... Oh, toujours attendre de faire une autre église, peut-être là-haut. Ici, on verra peut-être ici. Faire une église par là. Ouais, ouais, ouais. Et puis on va continuer à s'agrandir gentiment. Écoutez, ici on va peut-être... Est-ce qu'on a ramassé? Oui. Ici on va peut-être renouveler... Hop, on va couper les arbres, on va renouveler ça. Il faut de temps en temps couper les arbres et renouveler. Bah, écoutez les amis, cette fois-ci on va se laisser vraiment là. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Comme vous savez, je repars sur un rythme d'une vidéo tous les deux jours. Il n'y avait pas eu de vidéo pendant ces deux semaines de vacances, donc tous les deux jours on suit un nouveau let's play. Donc en fait vous aurez un épisode toutes les deux semaines de Banished. Là, le prochain épisode de Banished, celui-là vous allez l'avoir ce lundi. Le prochain épisode, il aura lieu dans deux semaines, le lundi d'après. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Ciao, ciao tout le monde.